aussi ça. Ben ça, t'as pas besoin de l'enlever. Ça, quand tu veux lancer, okay. Déclenche ça. Ouais. Okay. Là, tu... Bernard, il allume son poids de propage. Ben ça, je vais montrer après. Si tu veux dérouler du fil, okay. Déclenche ça ici. Okay. Mais c'est pas l'espère. On met ça, ça s'appelle une vigogne. Ça s'appelle comment? Une vigogne. Vigogne, ok. Scooby à soi. Pour la pêche, j'ai des nœuds spéciales. Ouais. Si tu pêches des plus gros poissons, j'ai plus salir. Ok. On va le faire. Yeah. Tu tournes comme ça. Je pas toi. Tu tournes, une fois que tu as tourné un peu, tu rentres ce bout-là dans l'air. Fais ça, tu le repasses dans le trou. Les poissons vont pas sauter là quand même, les oiseaux aiment pas ça les vers de terre. Là. Super. À cause du lac. Là, ça donne ça dans le super. Tu coupes le petit bout qui dépasse. C'est pas coupé, ouais. Le petit bout qui dépasse. Là, tu prends ta cuillère, la tour, la vironne. Tu l'ouvres comme ça. Tu l'ouvres. Ok. Là, après, tu es attaché. Montre-moi la cuillère. Tu es attaché. Comme ça, tu leur fermes. Tu peux leur fermer. Voilà. Fermé. Après, tu as acheté des hameçons. Ah oui, comme ça. Là. Ok. Regarde dessus, j'ai tiré. Regarde ça au début. Regarde ça. Au début, c'est fermé comme ça. Tu tires dessus. Ok. Là, ça s'ouvre. Un hameçon monté. Comme ça, c'est un petit peu petit, mais ça peut pas arriver. Ok. On a besoin de plus grand? Ouais, un petit peu. Ok. Là, je prends ça comme ça ici. Ça, pince. Okay. Il est bien préparé. Pince comme ça, on se rend le petit. Oh, ok. Donc ça c'est prêt. On va juste à mettre un verre au bout. Ok. C'est tout. Ah, t'as... Si tu veux que ça calme, comme là, moi, j'en mettrais pas. Ça, c'est des pots. Oui. Ça va leur faire caler. Oui. Et on n'a pas besoin. Parce qu'il y a beaucoup de branches dans le fond, il faut pas que ça cale trop. Ok. Et si tu veux en mettre... Ok. Ça, on va les... Ça, on va le mettre pour démontrer, mais aujourd'hui on ne l'utilise pas. Ouais. Ok. Tu le mets comme ça, tu le rentres dans le fil là, tu prends. Ok, et avec une pince. On... Ouais. Avec une pince, on vient. Ok, super. Okay. Là, les flottes aujourd'hui n'ont
lui. Peut-être mon Michaela qui a commencé mieux, mais parce que c'est plus dur pour lancer cette année-là. Ok. Mais d'après comment au pire, j'y lancerai sur la même, mais d'après moi, j'ai mieux une fois. Ok. Là, tu pailles sur le bout. Ok. Il y a un petit crochet qui sort. Ok. Tu attaches le petit crochet au bord de la ligne, sur leur large. Ok. Ça. Pousse, mais juste sur le rouge en mettant ton doigt sur le petit crochet en dessous. Okay. Tu pousses comme ça, comme là, il y a un petit crochet en haut. Okay. Tu portes les crochets et tu l'enlèves. Ah, là, tu peux le mettre à différentes longueurs. Okay. Mais là... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que pour lancer, c'est plus dur. Okay. Parce que t'en as plus long. Bien. Si t'as flou, bien. Okay. Ça, à la côte là, fait que t'as tout ça qui va en arrière. Pour lancer, c'est un petit peu plus dur. Okay. Puis rendu dans l'eau, ben, c'est parce que tu vois pas vraiment où t'aller. Ok. Moi je dirais pas en mettre. Ok. Mais on dirait que c'est prêt. Ah, ouais. Donc je t'en mets un verre. Tu laisses un pouce. Attends. Prêt. Ok. Okay. Tu fais ça comme ça. Éloigne un peu. Tu mets ton doigt comme ça. Ok. Tu mets ton doigt comme ça. Tu déclenches comme ça. Tu lances. Puis en lançant, tu t'enlèves ton doigt. Et après ça, quand c'est prêt, on déclenche. Tu fais ça. Là. Ok. Super. Bon, ça vient commencer, hein? Oh, madame Pierre! C'est dans l'eau qu'il fallait lancer! On peut pas trouver de poisson dans les arbres! Wow! On va voir! Les maîtres du groupe. Salut Dani. Comment ça va? Super bien. Oh. Salut les gens de l'Argentine. Wouhou. La troisième. La troisième. Et la plus grosse, la plus grosse. La moyenne. La petite, la grosse. How low?